C'est une histoire qui a pour lieu Paris-la-Belle, au nom de Dieu, 1482. Histoire d'amour et de désir, où les artistes anonymes de la sculpture de la rime tenteront de vous la transcrire pour des siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, monté vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever des tours qu'il avait bâties de ses mains. Les artistes et troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales.